les doigts. J'ai trop froid. Il semblerait que le voleur d'identité ait encore frappé. Une autre victime. Tôt ou tard, le tueur va faire une erreur. Espérons que ce soit bientôt. Comme pour les autres, le visage de la victime a été découpé avant la mort avec une grande précision. Le soin pris suggère que le tueur est plus intéressé par les parties qu'il prélève que par le corps qu'il laisse. Quelqu'un a pris grand soin de dissimuler ses traces. De l'eau de Javel a été utilisée pour détruire les preuves sur le lieu du crime. Parfois, l'absence de preuves suffit amplement. Je vais analyser les particules d'eau de Javel pour savoir qui est si déterminé à se cacher. Cet homme et jeter son corps là-bas. Pourquoi avoir pris son visage? C'était pas moi. J'ai juste jeté le corps. Il m'a dit de le nettoyer à la Javel. Qui t'a dit ça? Wayne. Tu sais, le Richard. Tu dis n'importe quoi. Mais non! Il y a une allée près du tribunal. C'est là qu'il se trouve. Il est dingue, bon sang. Mieux vaut l'éviter. Ceci est le journal du docteur Thomas Elliott. Mon œuvre est terminée. La douleur, bien que présente, en valait la peine. Il souffrira pour ce qu'il m'a fait. Il souffrira autant que moi j'ai souffert. En regardant le miroir, je comprends ce que Léonard a pu ressentir en finissant la Joconde. Ce que Michel-Ange a pu ressentir en terminant son David. Mon travail a pris beaucoup trop de temps. Mais le moment est venu de dévoiler au monde mon chef-d'œuvre. Mon nouveau visage est prêt. Je n'aurais pas pu dire mieux moi-même. J'imagine que t'es là pour m'arrêter. Qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'il est trop tard. Tu es un tueur, un psychopathe. Je t'arrêterai. Vraiment? Mais tu as le visage de... Bruce Wayne. Ça a été long, bien sûr. Pour trouver les donneurs parfaits, pour faire une greffe, et enfin pour disparaître afin de créer... ça. 6 personnes sont mortes. C'est malheureux, mais nécessaire. Pour mettre en œuvre mon plan. Pourquoi? Crois-tu à la bonne vieille vengeance? Pour être honnête, je m'en fiche un peu, en fait. Wayne souffrira, et toi? Tu ne pourras pas m'arrêter. Je vois que tu es très occupé avec Arkham City. Il est temps pour moi de partir. Prie pour qu'on ne se revoie jamais. La prochaine fois, je risque de ne pas être d'humeur aussi généreuse. Fermez le dossier du voleur d'identité, Oracle. Vous l'avez eu?
Non. Ouvrez un nouveau dossier sur le docteur Thomas Elliott. Je vous envoie tous les détails depuis son cabinet. Elliott, le célèbre chirurgien? Vous n'étiez pas ami? En effet, il y a longtemps. C'était lui, le voleur d'identité? Minute. Ça veut dire qu'il a utilisé les visages qu'il a récupérés pour en créer un pareil au vôtre? Enfin, celui de Bruce Wayne? Mais quelle idée! Sans vous vexer. Vous allez le traquer? Il est parti. Il a quitté Arkham City. Je le traquerai demain. La vérité émergera bientôt. Les quatre symboles forment un sceau principal qui semble s'adapter à la carte d'Arkham City. Les symboles indiquent un point sur la carte d'Arkham City. Je savais que tu me trouverais. C'était facile, tu m'as laissé une carte. Qui es-tu et que cherches-tu? Pourquoi est-ce que tu m'observes? On m'a donné beaucoup de noms, mais je préfère que tu m'appelles Azrael, loyal serviteur de l'Ordre de Saint-Dumas. C'est bien ma veine. Encore une société secrète. J'apporte un message. Des jours sombres arrivent, Batman. La prophétie se réalise. Tu es le guerrier qui fermera les portes de l'enfer. Tu es celui qui sauvera le monde. Et ce faisant, tu ne pourras pas empêcher certains événements. Des cendres d'Arkham, les incendies se répandront. Et Gotham brûlera. Et toi, tu brûleras aussi. Je ne crois pas aux contes de fées. Crois ce que tu veux. Le message a été transmis. Nous nous reverrons.